L'imam Ibn Taymiyyah Rahimuhallah donne plusieurs raisons qui pourraient justifier l'infiltration d'un djinn dans le corps humain. Selon lui, les djinns peuvent y entrer s'il éprouve un amour passionnel pour l'être humain. Il ajoute que dans ce cas, qu'il est même possible que le djinn et l'être humain aient des relations sexuelles et donnent naissance à des enfants. L'imam ajoute que les djinns peuvent aussi se venger si l'être humain leur a causé un quelconque tort comme le fait de leur jeter de l'eau chaude, de leur uriner dessus ou de tuer l'un d'entre eux que ce soit volontaire ou pas. Or, les djinns étant ignorants et injustes, ils se vengent généralement plus que nécessaire. Mais il peut arriver que les djinns, par simple injustice, s'attaquent gratuitement à un être humain et entrent en lui. Mais l'expérience nous montre que ce cas ne peut avoir lieu que lorsque l'homme se trouve dans certains états précis. Dans un état de violente colère. Dans un état de forte peur. Lorsqu'il s'adonne à la convoitise. Lorsqu'il est dans un état de grande distraction et d'inattention. Comment y pénètre-t-il? Où se place-t-il préférentiellement? Le djinn est un vent et le corps humain du fait de ça. Sort de cette possession. En 1906, Clara German Aselley, originaire du pays des Zoulous, était une jeune orpheline de 16 ans qui vivait dans la petite ville de Natal. Baptisée catholique, elle fréquentait l'école de la mission Saint-Michael depuis ses 4 ans et les religieuses la décrivaient comme une enfant normale, gaie et enjouée. Pourtant depuis sa première communion, qui avait eu lieu l'année précédant ses 16 ans, Clara avait changé. Son confesseur, le père Erasmus Horner, la trouvait morose, triste et même agressive. Bientôt elle devint frivole et s'éloigna des sacrements. Le 5 juillet 1906, Clara alla trouver le père Erasmus pour lui faire une étrange confession. La jeune fille affirmait s'être vouée au service de Satan, afin de lui prouver ses dires. Elle lui remit un curieux morceau de papier qu'elle présenta, comme le pacte qu'elle avait signé avec le diable. Bien évidemment, le père Erasmus n'en crut rien. Mais très vite commencèrent à se manifester les premiers signes de sa possession démoniaque. La jeune fille avait des crises au cours desquelles elle criait « Je suis perdue. J'ai fait une confession et une communion sacrilège. Je dois me pendre car Satan m'appelle. » Dans les semaines qui suivirent, le comportement de Clara changea radicalement. Au mois d'août 1906, alors qu'elle assistait à une messe, la jeune fille se montra terriblement agressive, refusant de s'agenouiller et incitant les autres élèves à refuser la confession. Le 20 août, les sœurs de la mission Saint-Michel eurent la surprise de découvrir Clara en grande conversation avec un être invisible. Elle pleurait et lui disait « Tu m'as trompé. Tu m'avais promis de beaux jours et maintenant tu es cruel pour moi. » Puis soudain, apostrophant une religieuse, la jeune fille s'écria « Ma sœur, s'il vous plaît, appelez le père Erasmus. Je dois me confesser et tout lui dire. Mais vite, très vite, ou Satan va me tuer. Il me tient en son pouvoir, plus rien de béni n'est avec moi. J'ai jeté toutes les médailles que vous m'aviez données. » Clara se trouvait dans un tel état d'agitation qu'elles décidèrent de la mettre au lit. Le cas de possession de CLARAGERMANACELE. La jeune fille déchirait ses vêtements, elle grinçait des dents, hurlait ou aboyait comme un chien. Le père Erasmus fut alors appelé et il demanda à la possédée « Qui êtes-vous ? Je suis Satan, affirme l'être invisible. Notre roi est Lucifer. Son pouvoir est grand. Il a à son service d'innombrables sujets. Nous avons été précipités du ciel en enfer, bien que nos péchés n'eussent été aussi énormes que ceux d'un grand nombre d'hommes. Y a-t-il un enfer ?
Demanda alors le père Erasmus. Certainement, répondit l'entité, son feu n'émet aucune clarté et ne ressemble en aucune manière à votre feu. Malgré l'obscurité, nous nous voyons l'un l'autre. Le Christ nous a vaincus en mourant sur la croix, mais à présent beaucoup d'esprits errent à travers le monde pour séduire les hommes. Le Christ reviendra une seconde fois, lors du jugement dernier. Alors nous serons jugés sous les regards de tout le monde. Nous croyons en Dieu, mais nous le haïssons. Alors que les sœurs l'aspergeaient d'eau bénite, Clara implora, « Oh, laissez-moi. Ça brûle. » Si l'eau bénite semblait cruellement brûler sa peau, elle lui permettait cependant de sortir de son état de possession durant un moment. Les manifestations du démon étaient de plus en plus fréquentes et les attaques que la jeune fille subissait l'épuisaient. Dans un compte-rendu, une religieuse rapporta que Clara agressait souvent ses camarades et qu'elle rentrait dans une rage effroyable dès qu'un objet béni se trouvait en sa présence. Dès qu'elle apercevait une sœur portant une croix ou quelconque signe religieux, elle semblait soudain animée d'une force et d'une férocité extraordinaires et elle la poursuivait jusque dans sa chambre afin de la châtier. Lors de ces crises, les cris de la jeune fille étaient d'une telle puissance qu'ils terrifiaient ceux qui les entendaient. Personne n'a jamais produit de tels sons, ni même les bêtes les plus féroces. À certains moments, ces sons sonnaient comme un véritable troupeau de bêtes sauvages. Il arrivait également que les religieuses et les jeunes filles qui habitaient avec elles voient apparaître à leurs fenêtres, aussi bien en plein jour que pendant la nuit, les figures terrifiantes d'animaux aux yeux de braise. Un jour, alors que la jeune fille était allongée sur son lit, se reposant d'une violente crise, elle s'écria « Au feu, je brûle !» Et alors que Clara se tordait de douleur, ses compagnes purent clairement voir les flammes qui l'entouraient. De nombreux témoins, dont un confesseur, rapportèrent que la jeune femme lévitait de façon régulière. Souvent Clara se trouvait soulevée à 1 mètre, 1 mètre 50 du sol, parfois verticalement, parfois horizontalement. Et son corps flottait au-dessus de son lit. Elle était rigide, tout comme ses vêtements qui ne retombaient pas comme ils auraient dû. Il restait étroitement plaqué comme son corps et ses jambes. Si on l'aspergeait d'eau bénite, elle retombait aussitôt, et ses vêtements reprenaient leurs plis habituels. Ce genre de phénomène se produisait en présence de témoins, parfois même étrangers à la mission. À l'église, à la vue de tous, il lui arrivait de flotter au-dessus de sa chaise. Certains, l'attirant par les pieds, essayaient de la ramener à sa place sans y parvenir, malgré tous leurs efforts. Au cours de l'une de ses lévitations, Clara se retrouva soulevée à 1 mètre du sol avant de se mettre à flotter vers le presbytère. Le père Erasmus décrivit également comment Clara se transformait parfois en une créature qui ressemblait à un serpent. Son cou s'allongeait, son corps semblait gonflé, notamment sous la peau de sa poitrine, et il devenait aussi souple que du caoutchouc. La jeune fille avançait alors en glissant sur le sol. Sous cette forme reptilienne, elle avait même attaqué une nonne, la mordant très sérieusement au bras, sur la peau de sa victime, se distinguait très nettement de petits points rouges, semblables à ce qu'aurait pu laisser la morsure d'un serpent. Malgré tous les soins prodigués, cette blessure allait suinte d'un liquide purulent durant plusieurs mois. De manière surprenante, Clara comprenait et pouvait parler le français, l'allemand, le polonais et toutes les langues étrangères, même celles qu'elle n'avait jamais entendues auparavant. Comme il avait été démontré que Clara présentait les critères d'une possession démoniaque, le père Erasmus et le père Mansuetti décidèrent de pratiquer un exorcisme sur la jeune fille. Le rituel eut lieu le 11 septembre 1906, et il commença aux premières heures du jour. Au début de cette séance, la première action de Clara fut de frapper la Bible qui était entre les mains du prêtre, puis de saisir son étole et de tenter de l'étouffer avec elle. Après une interruption à midi, l'exorcisme reprit à 15 heures et se poursuivit tard dans la nuit. À la fin de cette première journée, le démon n'avait toujours pas été chassé du corps de Clara et, par conséquent, le rituel reprit le lendemain matin, à 8 heures.
Au cours de cette nouvelle cérémonie, le prêtre demanda au démon « Pourquoi as-tu été chassé du ciel ?»« Parce que Dieu nous a révélé son Fils et nous a commandé de l'adorer, mais nous avons refusé parce qu'il avait adopté une nature inférieure à la nôtre, devant l'insistance des hommes de Dieu. » Le démon s'écria d'une voix stridente « Je dois quitter Clara, elle ne m'est pas permis d'entrer dans une autre personne, car je dois retourner en enfer. » Malheur à moi, il déclara ensuite qu'il allait signaler son départ d'une lévitation, ce qu'il fit immédiatement. En présence des 170 personnes qui se trouvaient dans la chapelle de la mission à ce moment-là, après de longues journées de combat, les prêtres déclarèrent que la jeune fille ne se trouvait plus sous l'influence du diable. Tous les membres de la communauté choqués de ce dont ils avaient été témoins récitèrent des prières durant plusieurs heures. À la suite de l'exorcisme, Clara redevint la jeune fille qu'elle était autrefois, joyeuse et insouciante. Cependant, en janvier 1907, Clara affirma une nouvelle fois avoir passé un pacte avec le démon et ses crises recommencèrent. Au mois d'avril 1907, un nouvel exorcisme de 2 jours eut lieu et la jeune fille ne montra plus jamais de signes de possession diabolique après cela. Clara Germana Selley mourut de la tuberculose le 14 mars 1913. En paix avec elle-même et avec Dieu. Mama's gonna buy you a diamond.